Bonjour à tous et à toutes, je suis Luc et bienvenue pour la suite de Criminologie. Parce que j'aime ce jeu, vraiment. Nous avons fini la deuxième mission Luc Sabatoire qui s'est avérée assez intéressante du point de vue policier. Comme quoi il y a des problèmes. Nous allons passer à la troisième mission, le manège des dupes. Alors, j'ai déjà enregistré les 10 premières minutes. Mais un problème de micro, donc du coup je connais les premiers dialogues. Vous ne m'en voudrez pas. C'est hyper. Quelle procession! Je pensais pas que l'enterrement de Slavik recevrait autant d'attention. Alors Slavik, me semble-t-il, que c'est le un des policiers qui est mort durant la seconde affaire. Comme quoi tout se relie, tout se relie, tout se relie. L'administration générale met un point d'honneur à soigner l'image de ses agents. Je ne pensais pas qu'il se suiciderait pour échapper à son arrestation. Ah non, Slavik, c'est le... C'est pas le... Non, c'est le coupable qui a tué le terroriste dans le parking. Ah merde. Tous ces médicaments qu'il a avalés, il y avait une famille, des enfants. Rien de tout ça, Slavik n'avait aucune vie. En sortant du commissariat, il a envoyé sur un petit boulot au vigile pour une société d'import-export. Drôle de vie. Une chose concernant l'autre policier que vous avez fait arrêter, Trishan Young. Le tribunal l'a réintégré, son acte a été classé en légitime défense. Mais si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est pour une toute autre raison. J'ai pour vous une nouvelle affaire, qui devrait être moins tendue que les précédentes. Avez-vous entendu parler d'un docteur du nom de Van Dyck? Van Dyck, Lisa Van Dyck, ses recherches sur le cancer ont fait considérablement avancer la science. Elle a reçu une Nobel de médecine pour le développement de médicaments palliatifs. J'assistais à plusieurs de ses séminaires quand j'étais étudiant. Vous avez l'occasion de la retrouver en qualité de victime. Elle tient une étude au sein de l'hôpital Saint-Jude avec son assistant Aldo Levinson. Hier, elle a surprise dernière en train de voler des médicaments expérimentaux. Comme elle allait avertir la sécurité, Levinson l'a agressée avant de s'enfuir. Les caméras de surveillance n'ont rien vu de particulier. Alors pour l'instant, c'est parole contre parole. Tout cela semble assez clair. Quel est mon rôle dans cette affaire? C'est une enquête de routine. Vous devez établir ou rejeter la culpabilité de Levinson. Le docteur Van Dyck vous attend en salle d'interrogatoire pour sa déposition. L'assistant devrait venir d'une minute à l'autre pour le contre-interrogatoire. Prenez également ce mandat pour fouiller le lieu de l'agression. Cette histoire est un vrai cas d'école pour vous reposer après cette épuisante prise d'otage. À ce propos, où est Peter? Je l'ai pas vu ce matin. Il est en congé. En participant à une tombola, il a gagné une visite de Crosby en grand bus. Très enrichissant. Je vais pouvoir m'en sortir sans son aide. Alors, je me rends compte que maintenant, mais chaque titre de mission, ça fait référence à un dialogue. Voilà. J'ai mis un petit moment à me rendre compte. Alors là, on n'est pas trop devant la salle d'interrogatoire, mais Balek. Bonjour, je suis inspecteur Simons. Je suis chargé de l'enquête concernant votre évasion. Je vais prendre votre témoignage sur ce qui s'est passé hier. Pour commencer, votre nom et votre profession. Quelle voix je lui fais déjà, elle? Un truc un peu plus féminin, je pense. Qu'est-ce que... Plus féminin, plus féminin, plus féminin. Ah, je suis féminin. Plus féminin. Lisa Van Dyck, je suis docteur en médecine. Je dirige la section cancérologie de l'hôpital Saint-Jude. Vous êtes blessé à la tête. Est-ce que vous pouvez suivre un interrogatoire? Ce ne sont que quelques contusions. Je peux répondre à vos questions. D'accord. Très bien. Décrivez-moi ce qui s'est passé la nuit dernière. J'étais seul dans mon bureau. Je travaillais tard en attendant les résultats d'une analyse. Vers 1h45, j'ai entendu des bruits étranges venant de la pharmacie. Je suis allé vérifier qu'il n'y avait rien d'anormal. En m'approchant, j'ai tout de suite compris qu'il se passait quelque chose. La lumière était éteinte, mais la porte entrouverte laissait passer les rayons d'une lampe torche. Ça ressemble à un cambriolage. Pourquoi vous êtes-vous approché? C'était dangereux. La curiosité, sûrement. J'aurais dû appeler la sécurité, mais je n'ai pas pu résister. Je devais savoir ce qu'il se passait. J'ai ouvert la porte et j'ai vu mon assistant, Aldo Levinson, en train de voler des médicaments. Il m'a également aperçu. J'ai couru jusqu'à mon bureau pour appeler la sécurité, mais Aldo m'a poursuivi. Il m'a proposé de s'associer à lui, mais comme je refusais, il m'a frappé. Plusieurs fois. J'ai pu attraper un scalpel et je l'ai tenu en respect. Il s'est alors enfui et je ne l'ai pas revu. Que pouvez-vous me dire sur votre agresseur? Aldo Levinson est mon assistant personnel. Il est professionnellement irréprochable. Il aurait pu devenir un médecin de renom s'il n'avait pas commis ce vol. Après l'agression, je suis allé avertir Vigile. Pourquoi ne pas avoir averti la sécurité après avoir vu Aldo dans la pharmacie? J'étais paniqué. J'ai cherché instinctivement mon bureau. C'est pas facile à dire. C'était apparemment le mauvais choix.
Enfin, après cet événement, le vigile a vu que je saignais et après de rapides explications, il a donné l'alerte. Il est parti à la recherche d'Aldo, sans succès. La police est arrivée peu de temps après. Quels sont les médicaments qui intéressaient Aldo? Pourquoi les a-t-il volés? La pharmacie contient surtout des produits expérimentaux, fruits de longues recherches. Ce qui est contenu dans ces murs est d'une valeur inestimable. L'accès à ces produits est restreint. Aldo peut y entrer dans la journée, mais sous haute surveillance. Et ce soir-là, Aldo fouille parmi les derniers médicaments développés. Ces produits représentaient plusieurs années de développement et de recherche. Je vois, les volets revient à pratiquer de l'espionnage industriel. Exactement, c'est un délit assez grave, je crois. Alors, quand il vous a proposé une association, c'était pour tromper l'hôpital en vendant les produits. Exactement, en leur vendant la concurrence, Aldo aurait pu récolter une petite fortune. Qui peut vous faire concurrence? À qui Aldo pouvait revendre ses produits? Tous les hôpitaux ont intérêt à profiter de nos recherches. Pour eux comme pour nous, la revente de médicaments brevetés est une source de revenus non négligeable. Avez-vous des preuves matérielles de ces projets de revente? Pour parler franchement, non. Mais il y a sûrement des traces de son commerce à son domicile. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour. Ne quittez pas le commissariat, j'aurai sûrement d'autres questions. Très bien, faites vite, t'es pas sûr d'attendre mes soins. Je n'ai pas eu des positions aussi claires depuis un moment. Je devrais parler à Alexandra. Alexandra, la chef. J'ai écouté Van Dyck. Si on en croit son histoire, son assistant est indiscutablement coupable. Vous allez vérifier ça immédiatement. Je l'ai fait venir pendant votre entretien avec Van Dyck. Il vous attend en salle d'interrogatoire. Oh, j'ai demandé le prélèvement ADN de Van Dyck et Evinson. Vous les recevrez d'ici peu. Excusez-moi. Ah, c'est pas facile à gérer. Bonjour, je suis inspecteur Simmons. Je suis chargé d'enquêter sur les événements d'hier. Oula. Je vais faire quelle voix, vous lui? On va faire une voix un peu classique. Vous êtes bien Aldo Levinson? Oui. Ouais? On va dire ouais? Oui? Savez-vous pourquoi vous êtes dans cette salle d'interrogatoire? Je suis accusé d'avoir volé des produits et agressé Lisa? Ça n'a pas de sens, j'étais même pas à Saint-Jules hier soir. Je comprends pas pourquoi je suis ici. Vous n'étiez pas à l'hôpital hier? Si, bien sûr, mais je suis rentré chez moi vers 20h comme tous les jours. Pourquoi je serais retourné à Saint-Jules? C'est ce que j'allais vous demander. Vous vous méprenez, inspecteur. Lisa vous a vu dans la pharmacie hier vers 1h45. Avez-vous une explication? Non, elle a se trompée, j'ai même pas la clé pour ouvrir la pharmacie. Alors vous devez avoir un alibi. Une preuve que vous n'étiez pas à l'hôpital. Où étiez-vous? Chez moi, j'ai dormi toute la nuit. C'était une journée très chargée, j'avais besoin de me reposer. Quelqu'un peut-il confirmer votre présence à votre domicile? Non, je vis seul avec mon chat. Alors avez-vous un moyen quelconque de confirmer votre alibi? Écoutez, j'ai rien fait, je vous le jure, vous pouvez vérifier. C'est ce que je fais, mais vous n'avez aucune preuve de votre innocence. Allez à Saint-Jude, allez chez moi. Vous aurez beau chercher, vous trouverez rien. C'est bien un problème pour vous. Je ne vais rien trouver. Ça ne va pas jouer à votre faveur. Changeons de sujet. Quelles sont vos relations avec Lisa Van Dyck? Je suis son assistant personnel, c'est une personne tellement fascinante. D'ailleurs, j'aurais beaucoup aimé lui parler. Serait-il possible de m'entretenir avec elle, avec un instant? Vous pouvez pas la voir maintenant. En fait, vous ne pourrez pas avant quelques temps. Bon, y a rien d'autre entre vous? Qu'est-ce que vous voulez dire? Je lui ferai jamais de mal, pour rien au monde. Vous êtes amant ou quelque chose comme ça? Non, c'est que j'aurais bien aimé, mais je suis désolé, mais cet aveu ne joue pas en votre faveur. Faisons le point. Le témoignage de Lisa vous accuse directement et vous n'avez aucun alibi. Je vous conseille d'avouer. Une confession immédiate vous accordera un allègement de peine. Mais j'ai rien à avouer. Je suis innocent. J'étais même pas à Saint-Jude cette nuit-là. Hey, calmez-vous. Je vous avertissais, c'est tout. Vous ne m'écoutez pas. J'étais chez moi. Je dormais. Je ne fais confiance qu'aux preuves matérielles. Je vais vérifier chez vous. Ça vous fait plaisir, mais vous perdez votre temps. Merci pour votre coopération, on vous rappellera pour les résultats de cette enquête. Vous ne me croyez pas, c'est ça? Je crois que 2 et 2 font 4, et je tiendrai le coupable à la fin de cette enquête. Il est temps de parler à Alexandra, j'espère qu'elle a reçu les échantillons. Et bah go! Comment s'est passé l'entretien? Davidson m'a tout l'air d'être un garçon fragile. Il a nié en bloc les accusations de Lisa, il n'était pas sur place, il n'a pas tapé son chef, etc. Bien entendu, il n'y a aucune preuve, aucun alibi qui pourrait être disculpé. Donc on le considère coupable jusqu'à preuve du contraire. Cette histoire va être rapide. Les seuls indices que j'ai sont à charge contre Levinson.
Vous pourrez enfin prendre vos congés en retard. Oh, les empreintes et échantillons d'ADN sont arrivés. Yes. Cool. Eh ben, voyons. Voyons voir ce que j'ai. Profil, zone, lieu et profil, ou la zone et tout ça. Ok. Bouger. Alors, c'était ici que je m'étais arrêté. Là, c'est la pharmacie, je pense. Et là, c'est le bureau. Alors, qu'avons-nous? Ah bah ça a l'air de tout ce qu'il y a de belle, je pense. Ok. Rien d'autre. Non. Tiens, qu'est-ce qu'on a ici? Ouh! Ouh là là! On a quelque chose là. Ouh, ça c'est de la trace. Allez. Très très belle trace. Hein. Waouh. Ok, bon, la trace, ok. La porte là-bas, je vais voir juste après. Ah, l'autre côté du bureau. Des papiers en désordre, ça ne ressemble pas à Vendic. Il y a eu effraction ici. Alors, des papiers. Ok, bon. Voyons, est-ce qu'il y a une trace de quelque chose sur les papiers? Non, pas de trace. M'a pas l'air de... Ah, il y a peut-être des empreintes sur ces papiers. Idiot. Peut-être qu'il y a des empreintes, heureusement que l'outil, cet outil-là nous permet de faire quelques allers-retours. Ah, semble-t-il qu'il n'y ait pas grand-chose ici. Non, pas d'empreintes. Non, que dalle. Ah. Non, rien du tout. Rien du tout. Bon, ici, il n'y a rien. La porte, ouais. Alors, la porte... Ouh, alors, attendez, il y a... Je vois trois empreintes. Donc on va déjà les faire apparaître. Alors, hop là. Donc, un petit peu ici et un petit peu là-bas. Voilà. Maintenant on enlève. Parfait. Alors. Lesquelles je vais prendre? Lesquelles je vais tenter celle-là. Ok, c'était celle-là. J'estime que c'était celle-là. Je vais pas aller ailleurs. En douceur, parfait. Donc j'ai une empreinte, ok. Et là, la deuxième empreinte. Bande trop petite. Bon, j'abandonne, hein. Je vais pas aller plus loin. La pharmacie. Et ben. Ah, là, peut-être que j'aurai une empreinte. Oula. Oulala. Une boîte de trixépane. Médicaments sûrement. Sûrement une analyse à faire là-dessus. Pas d'autre chose ici. Ah, ici, qu'est-ce qu'on... On a peut-être quelque chose. Tous ces médicaments sont des produits expérimentaux. D'accord, merci Michel. Merci Matt. Et bah, c'est tout ce que l'on a pour le moment. Du coup, ça m'a l'air pas mal. Alors, 1, 2, 3, j'ai 4 petites preuves. Analysons. Ah bah là, il y a une empreinte. Forcément qu'il y a une empreinte. Forcément. Ça me semblait évident. Hop, je vais vérifier quand même qu'il n'y ait pas d'autres empreintes. Non, c'est bon. Du coup, on enlève tout. Impec, et on récupère l'empreinte. Ça me semble pas mal, voilà. Enfin, pour une fois que j'ai réussi des relevés d'empreintes du premier coup. Franchement, je suis assez fier. Donc j'ai une empreinte. Ok. Ah, l'analyse.
Les fameuses analyses de sang. Hop, un petit peu de prélevé, un petit peu de solution. Et la lamelle. Alors, qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a? Eh ben, on a pas grand-chose. Ça va aller assez vite, je pense. Hop. Attention. Voilà, analyse rapide. Analyse rapide. Alors, qu'est-ce que nous avons? Du sang, oui, ok, j'ai du sang. Merci Michel. Faut que je refasse une analyse de sang, c'est ça? Oh, ça va être chiant. Je crois qu'on va faire deux analyses de sang. C'est fou. Alors, une empreinte, ok. Alors, les gens, on va la bouger. Qu'est-ce que l'on peut voir sur cette empreinte? Ok, il y a une espèce de rond au milieu qui ressemble. Non, pas ça. Ah, elle a peut-être quelque chose, si je l'aime à peu près bien. Et, ah, ça semble coller. Ça semble coller, donc Lisa. Ok, c'était l'empreinte du scalpel, je crois. Empreinte de la porte, ok. Pour le moment, ça se tient. Des analyses sur les mid... Oh, oui, la belle empreinte. La belle empreinte, en effet. Très belle empreinte. Hop. On enlève la poudre. Et. Oh, la magnifique empreinte. Hop. Parfait. Oh, c'est incroyable. J'aime quand ça se passe sans accro là. Oh, c'est beau. J'aime ça. Tiens aussi. J'ai pas fait toute la ligne. Tant mieux. Alors, au suivant, le scalpel. Oui, les empreintes du scalpel. C'est vrai. Les empreintes du scalpel. Alors, qu'est-ce que on peut voir ici? Eh ben, on peut voir. Oui, ça ressemble. Donc, c'est bien l'empreinte du scalpel. Donc, on a les empreintes de Lisa sur le scalpel et sur la porte. Pour le moment, ça confirme son témoignage. Jusque-là, rien d'anormal. L'analyse de sang. Oh oui, on va refaire du sang. Donc deux analyses. Oh putain. Oh non. C'est le mini-jeu. Ouf. Ouf. Oh là. Voilà. C'est le mini-jeu où je suis. Où je suis mauvais. Prends une goutte. Ah putain, oui, c'est ça. Hop. 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 Alors là. Hop, on tourne. Je vous jure que je tourne. Alors là, maintenant, concentration. Ça va, je pense que ça devrait le faire. Ça le fait. Alors, je suis pute aussi, j'ai vérifié. Il faut que j'ai 4 erreurs au moins pour que ce soit validé. Et autant vous dire que c'est pas facile parce que là, il n'y a que 3 motifs différents. Alors, c'est pas ça. Ça pourrait être ça. C'est même ça d'ailleurs. 102 Vendic. Vu qu'elle a été frappée, ça. Oui, ça corrobore. Vu qu'elle a été frappée. Suivant, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'empreinte. Mais moi, c'est qu'une empreinte en fait. Et puis, c'est tout. J'ai que les empreintes de Vendic par contre. Je n'ai rien de Livingston. Ça pose problème. Ah, j'ai une empreinte que je ne connais pas. Alors, voyons. Ah bah, le jeu qui me facilite la tâche. Ah, c'est simple, facile.
Oh, il est mal placé, mais... Sérieusement... Merci. Quand même. La marge d'erreur. Bon, eh ben, je pense avoir tout. Ah, quoique... Attendez. Ah non, il me manque quelque chose. Non, attendez, je crois qu'il me manque un truc, là. Ouais, il me manque un truc. Est-ce que par pur hasard, mais vraiment par pur hasard, je suis obligé d'en finir, d'avoir les deux empreintes là-dessus. Je vais tenter, mais attendez, je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder parce que j'ai peur de niquer ma barre. Je vais sauvegarder sur celle-là. Comme ça, si je me gourre, eh ben, je reprends ici. Ça ira plus vite. Loul. Alors, donc. Ah, attendez, à moins que, attendez, je vais bourrer ça. Hop. Et donc, si je souffle. Ah, bah, je crois qu'elle est un tout petit peu mieux. Barre trop petite, ok. Trop grande de coup. Oh, ah ouais, d'accord. Donc c'était ça. J'avais pas mis assez de poudre et c'est pas facile, dis donc. C'est pas très très facile en ce moment. Bon, au moins j'avais raison. J'avais pas mis assez de poudre. Donc empreinte numéro 2. Normalement, je dis bien normalement, ça devrait être l'empreinte de Livingston. J'arrive à bien mettre ça. Merci. Dans le scanner. Alors. Non, bah c'est Livingston, hein. Ça va aller vite, hein. Hop. C'est à peu près au milieu. C'est à peu près au milieu. Mais n'importe quoi. Voilà. Des empreintes, du sang, beaucoup d'indices, mais rien de réellement décisif. Livingston travaille ici tous les jours. Ces empreintes ne sont pas compromettantes. Bah ouais, mais j'ai rien d'autre, Jean-Mi. Ça veut dire que j'ai loupé quelque chose. J'ai loupé quelque chose. Qu'est-ce que j'ai pu rater? Ça doit être sur cette table, hein, c'est pas possible autrement. Je suis certain que j'ai raté un truc, mais quoi? Ah, ça va me tchorlupiner. Voyons. Non, ça peut pas être ici. Ça peut pas être ici, c'est pas ça. Peut-être là. Ah oui, attendez, il y a un endroit que j'ai pas vu. Par terre, j'ai pas vu. Ah bah tiens. Évidemment. Ah, le serpent. Et l'empreinte de chaussure. Non, c'est ici. Alors. Hop. Le vert et le rouge. J'ai raté le rouge. Au secours. Le rouge. Et. Ok, c'est réussi. Et maintenant, on découpe. Alors, attends, il faut que je me base en fonction de ici. Ok. Et ben voilà. Cette trace est trop incomplète pour être utilisée dans un dossier. Ouais, bah, j'ai qu'un cheveu. Pas de chance. Je vais évidemment broyer en morceaux. Tu peux faire ça la solution? C'est cette histoire. Bon, bah ça va être rapide cette histoire. Alors les cheveux, qu'est-ce qu'on a? De la mélanine et de la kératine. Ok, bon bah. Ouais, par contre, ça bouge vite. Au secours. C'est allé vite.
Et maintenant, l'ADN. Un cheval, Lemmingson. Pas si compromettant. Il pouvait venir ici tous les jours. J'ai l'impression que la sécurité est plutôt stricte. Vigile, patrouille, caméra, porte à code. Impossible qu'un délit entre ces murs ne laisse aucune trace. Lisa saura m'en dire davantage. Ah, j'ai une info. Matt, tu sais que Grossberg avait l'avenue la plus large du monde, c'est génial, j'en rêve. Putain, merci Peter. Merci Peter. Non, c'est pas ce que je voulais. Ah, c'est pas ce que je voulais au secours. Oh là là, y a pas de menu arrière. Allez. Bon, je... Ah bon? Qu'est-ce que j'ai pas vu encore? Qu'est-ce que j'ai encore raté? Oula, ça commence à m'énerver cette histoire. Là, j'ai vu. Là, il m'a dit que oui, médicaments, produits expérimentaux, tout ça, ok, on connaît. Qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai raté? J'ai sûrement raté quelque chose. Ça se trouve, j'ai encore raté. Non, voilà. J'ai encore raté un truc là, je suis certain. Là, il y a le sang, ok. Non, il me montre la table, ok, bon bah non. Qu'est-ce que j'ai raté? Ah, peut-être que... Est-ce que par hasard... Non, je suis certain que c'est ça. Je suis certain que c'est ça, j'ai fait une connerie. Alors, peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe, mais est-ce que je dois pas mettre de la poudre sur l'empreinte? Si c'est ça, mais je suis trop con. Je suis certain que je suis trop con, d'ailleurs. Hein. Si c'est ça, mais je rigole. Hop, tap, hop, hop, hop. Hop. On enlève la poudre. Bah non, c'est pas ça. Bah qu'est-ce que j'ai raté? Bah je sais pas ce que j'ai raté. Ah. Bah. Alors là, je suis... Alors là, je suis un peu bloqué. Parce qu'il me dit que l'empreinte n'est pas bonne. Voilà. Oui, bah non, bah là, non, évidemment. Hop. Là, j'ai toute l'empreinte, pourtant. Qu'est-ce que j'ai raté? Ok. Ah. Ah, attendez, il se passe un truc. Ok. Ok. Oh. D'accord. Bon bah Nick. Est-ce que je suis bloqué? Semble-t-il que oui. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Bah non, il veut pas. Alors là, je suis bloqué, je tiens à le dire. Donc du coup, je vais autoriser une soluce. Oh là là, mais n'importe quoi. Il fallait juste que je retourne dans mon bureau. Incroyable. Heureusement que je vais cuter des trucs. Ah, vous revoilà enfin. Je peux retourner soigner mes patients. Je suis désolé, mais j'ai encore quelques questions concernant la suite. Concernant la sécurité, ça ne sera pas long. Ah, pas que c'est la pharmacie. Vous m'avez dit que le contenu de la pharmacie était plus important pour vous, plus qu'important pour vous. Pour moi, c'est un jeu de l'humanité. Et l'humanité plutôt. Le fruit de plusieurs années de recherche et de lutte contre le cancer y sont entreposés. Alors la porte doit être fermée en journée et protégée, clé, passe, un code. Exact, deux clés seulement ouvrent la pharmacie, la mienne et celle de l'infirmier en chef. Alors votre assistant n'avait pas accès à cet endroit, comment est-il entré? J'ai perdu ma clé hier dans la journée, je comptais la rechercher plus tard, mais maintenant... Maintenant vous comprenez que Linson vous l'a volé, c'est bien ce que vous dites. L'infirmière en chef a toujours sa clé sur elle, elle administrait des soins au moment de l'incident. Il n'y a qu'Aldo qui a pu faire le coup, j'imagine qu'il s'est débarrassé de la clé depuis cette nuit-là. Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
C'est ce que je ferai à sa place, me débarrasser des preuves. Ça semble logique, non? Vu la tournure de l'enquête, je ne vous souhaite pas d'être à sa place. J'ai fait des prélèvements dans votre bureau. Vous ne plaisantez pas avec la sécurité de Saint-Jules. Vous pouvez m'en parler? Comment fonctionne votre système de surveillance? La sécurité n'est pas mon domaine. Je vais tenter d'être aussi précise que possible. Des caméras surveillent l'extérieur nuit et jour. Et dès que le soleil se couche, un vigile patrouille dans les couloirs. L'accès aux différentes sections de l'hôpital est très restreinte. Chaque employé n'a accès qu'à son lieu de travail. D'après vous, est-il possible de s'infiltrer dans le bâtiment sans se faire remarquer? Sans connaître les lieux, c'est pratiquement impossible. Par contre, un habitué, ce qui réduit le nombre de suspects potentiels aux seuls membres du personnel, principalement Aldo. Évidemment. J'ai fouillé votre bureau. Je n'ai pas trouvé d'indice pertinent indiquant la présence d'Aldo hier soir. Pouvez-vous m'éclairer sur les circonstances de l'agression? Nous ne sommes pas restés dans le bureau très longtemps. Il est entré quand j'avais téléphoné. Il m'a proposé son marché, que j'ai refusé, il m'a alors frappé au visage, et je suis tombé sur le bureau. J'ai attrapé un scalpel pour me défendre. Il a pris peur en le voyant et s'est enfui. Vous vous rappelez d'autre chose, un élément qui me permettrait de confondre Aldo? Rien n'en revient en mémoire. Désolé de ne pas pouvoir vous aider. Plusieurs points me posent problème dans votre témoignage. Selon vous, Linson vous a volé votre clé, mais cette clé est introuvable. Vous dites qu'il est entré dans votre bureau, mais il n'y a aucune trace de son passage. Êtes-vous en train de m'accuser de mentir? Je n'ai pas dit ça, seulement votre témoignage ne suffit pas pour inculper Levinson. Il manque des preuves. Et puis il y a autre chose. Après l'agression, vous dites avoir appelé le vigile qui a donné l'alerte. Mais malgré l'alerte et la surveillance aiguë du bâtiment, Aldo a réussi à s'échapper. C'est assez improbable. C'est que j'ai mis du temps à appeler le vigile. J'étais sous le choc, je saignais. C'est passé une dizaine de minutes avant que je retrouve mes esprits. Ce délai pour expliquer l'évasion de Levinson. Moi. J'ai plein de questions pour le moment, vous pouvez évacuer vos occupations. Merci de votre coopération. Regardez. Je vous en prie, dites-moi que vous aurez suffisamment de preuves pour l'enfermer. Savoir qu'il est en liberté me donne des frissons dans le dos. Pas assez de preuves pour arrêter Wilson, mais suffisamment pour fouiller chez lui. S'il est coupable, il aura forcément caché les preuves. C'est parti pour un dossier de perquisitionnage de la résidence de Levinson. Alors, c'est Tibar, le mini-jeu de la perquisition. Alors, ça, c'est un cheveu de Levinson. Hein. Donc, c'est OK. Par contre, voilà. Ça, c'est des empreintes d'Aldo Levinson. Donc, pareil. Ça, c'est la deuxième déposition. Ok, ça c'est une empreinte de Levinson. Ça c'est du sang de Van Dyck, donc non. Ça c'est une empreinte de Van Dyck. Ça c'est de la trixépane. Voilà. Je vais rajouter celle-là. Et empreinte de Lisa, non. Aldo a travaillé directement chez lui, il a regardé la télé et s'est endormi. Ça, je peux pas l'utiliser. Non, il manque un truc. Je crois que j'ai mis un truc en trop, par contre. Déposition, surprise. Voilà, déposition, évidemment. Déposition. Voyons, j'ai le cheveu, j'ai l'empreinte. Ah, la boîte, elle me sert à rien du coup. Bah oui. Donc j'ai le cheveu, les empreintes, du coup c'est bon. Je vois pas plus. Commissaire, en signant ce papier, nous saurons comment Levinson décore son appartement. C'est bon, le mandat est à nous avec un dossier comme ça. C'est bon, vous pouvez y aller, et ne vous servez pas dans son frigo, j'aurai des soucis. Je vous préviens, faites attention à la manière dont vous menez cette enquête. Levinson semble être psychologiquement fragile, il a du mal à gérer toute cette histoire. Je suis obligé d'enquêter chez lui, sans quoi j'aurai pas de preuves suffisantes pour l'inculper. Et nous serions obligés de rechercher un coupable. Je n'y tiens pas du tout. Attendez, retournez interroger Levinson. Tentez de lui soutenir des aveux. Je vais envoyer une équipe chez lui pour vider son frigo à votre place. Oh, t'as zéro confiance, Alexandra. T'as zéro confiance. Alors, ça y est, je suis libre de partir. Je peux rentrer chez moi. Malheureusement, j'ai fait un tour à l'hôpital et j'ai quelques questions pour vous.
Alors, qu'est-ce que vous avez à me montrer? Vous étiez à la pharmacie, vous pouvez nier, mais j'ai des preuves. Mais j'y suis jamais allé. J'ai ici un cheveu qui vous appartient. On va me piéger. Quelqu'un l'a déposé ici. Qui? Et pourquoi? Ça me paraît un problème, n'est-ce pas? Il y a autre chose. Vos empreintes figurent sur une boîte de Trixépane. Elles y ont été placées également. Impossible. Ce produit n'est pas dans la pharmacie. J'ai vérifié la liste des médicaments l'autre jour. Pouvez-vous confirmer ça? Les apoc... Ah, alors, vous êtes toujours aussi innocent? Bien sûr, je n'ai rien fait, je vous l'ai dit un millier de fois. Trululululululu. Simons, vous pouvez arrêter de harceler ce jeune homme, passer un bureau. L'équipe est revenue avec de nouveaux éléments à charge. Je dois vous laisser, Linson, mais je reviens tout de suite. Alors ne bougez pas d'ici. Pourquoi? J'ai le choix? En fait, non. Trait d'humour. Ah, CFDR. Simons, voici les preuves ramassées à son domicile par un jour à vous. Encore elle? Je suis partout, celle-là. Elle devrait confirmer vos théories. Je vous y laisse. Jetez un œil et portez le coup de grâce à votre suspect. Alors, j'ai médicaments volés, la pharmacie, une liasse de billets. Impeccable. Simon, si tu peux me dire, Dinès, si tu peux me dire merci, on a trouvé des trucs. Oui, bah merci, Inès, hein. On la remerciera. On la remerciera un jour. Décaté. Alors, j'ai ici une magnifique clé de la pharmacie. Voyons, voyons, voyons. Eh ben, ces clés me semblent plus que propres, en effet, mais... Eh ben, y'a rien du tout, même pas une petite... Ah, y'a pas d'empreinte? Oh, même... Ah, je déteste ça. La clé de la pharmacie. Même laver, c'est une preuve déterminante. Ah oui, donc du coup, c'était obligé. Ok. C'était obligé, pas de... Ok. Les laisses de billets, par contre, j'ai même pas pu les voir. Ok. Bon, bah... Tant pis, hein. Alors, la boîte. La boîte. Clopstocébine. Ok. Alors, ici, on a une petite trace, hein. Qu'on recouvre. Et qu'on enlève la poudre. Merci. Un petit peu de truc. Je crois que... J'ai cru que j'avais raté. On va pas rater trop petite. Là, oh, je l'ai raté. Oh, c'est moche ce qui se passe. Parfait. Bon, des empreintes. C'est tout ce que j'ai pour le moment. Et passons à l'analyse. Alors, empreintes médicaments. Analysons. Scanner. Donc, ça me semble évident. Hein. Est-ce que je le positionne bien? Ah, par là, ça me sent pas mal. Impec. Et ben voilà. Les empreintes de Levinson sur un produit de recherche d'hôpital trouvé à son domicile. Je sais pas s'il existe une preuve plus décisive que ça. La culpabilité de Levinson ne fait aucun doute. Quelles explications va-t-il me donner maintenant? J'ai cœur de savoir ce qu'il va me dire quand j'entrerai dans la salle d'interrogatoire. Et ben, salle d'interrogatoire. Ah non, d'accord, ok. Alors donc, on a le cheveu, sûr et certain. On a la clé. Bon, ça a été retrouvé chez lui. On a la liasse de billets. On a... Ah bah oui, évidemment, la trace sur le poignet. Je sais plus laquelle c'est. La poignée. Putain, par contre, grise-toi. Donc, on a ça, l'empreinte sur le poignet. Le cheveu, c'est bon. La liasse de billets. La... Ah, les deux clés. Bah oui, les deux clés. Du coup, faut que ça se répercute deux clés. Oui. Donc, deux clés, c'est bon. Et attendez, il manque un truc. Ah, voilà. Les empreintes là. Sur les deux médicaments. Et puis, je crois que c'est tout. Il me semble-t-il que c'est tout, je ne vois pas d'autres preuves. Voilà les résultats, ce papier signe la fin de cette enquête. C'est bon, le mandat est à nous avec un dossier comme ça. Excellent travail, vous avez bouclé cette affaire en un temps record. Les aveux auraient été un peu en plus, mais nous avons déjà matière à arrêter Levinson. Je vous confirme, l'infirmier quitte la firme sans frime. Au moins Levinson sera relevé de ses droits citoyens. Oui, il ne pourra plus exercer sa profession de docteur, il aurait dû réfléchir avant de voler l'hôpital. Allez, fêtez votre victoire contre le crime. Il faut toujours profiter d'une enquête terminée. Désolé de vous déranger. Ah non, c'était trop début.
Désolé de vous déranger si tard, mais nous avons deux gros soucis. Un témoin a aperçu Vincent hier soir, le soir de l'agression. S'il est vrai, c'est une grosse erreur de notre part. Et alors que nous ne pourrons jamais corriger, car Vincent s'est défenestré hier soir. Il est mort. Hein? Ah! 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 J'ai mal! J'ai mal à mon moi, je suis tué, je sang. Ah! Merde! Ah, ça c'est la bavure! Ah, ça c'est la bavure, le suicide, hélas! Ah, ça pique! Ça pique, ça pique! Oh là 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 là! Oh, ça fait mal! Ça fait très 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 mal! Bon! Et bah, du coup, une fausse piste! En même temps, c'est allé très très vite! Ah, ça pique! J'ai très très mal à moi! J'ai mal à mon intégrité de policier! Bon, et bah sur ce, merci d'avoir suivi cet épisode de Criminologie jusqu'au bout. Je ne sais pas, toujours pas ce qui s'est passé, si c'est un coup monté, si ça l'est, c'est très bien foutu. Je vous invite à mettre un petit like sur cette vidéo si elle vous a plu. À laisser un commentaire sur ce que vous pensez de cette affaire, si vous avez des idées sur quelle est la réelle motivation. Si Madame Van Dyck est un leurre et qu'elle a tout manigancé. Abonnez-vous pour la suite des vidéos. J'ai Twitter et Instagram où je suis le plus présent, où j'annonce des trucs des fois. Merci à tous, bon jeu et à la prochaine pour la suite de Criminologie.